Donc, journée suivante de notre pèlerinage national qui devait être apparemment plus calme, mais qui est réellement plus engageante. Car en effet, en méditant sur le texte de l'évangile de Jean, où on entend les paroles de Marie à tous les serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira », Monseigneur Carré, lors de l'Eucharistie, nous a bien montré qu'il était besoin de laisser résonner ces paroles dans notre vie. Et ça s'est fait tout au long d'une journée où nous sommes partagés entre la prière, particulièrement au chapelet, comme on le fera encore ce soir, par la prière d'adoration et de réconciliation. Je voudrais aussi qu'on note l'éclat qu'a pu avoir, et je n'ai pas pu le citer hier puisque je n'y avais pas encore participé, la merveilleuse veillée que Grégory Turpin a chantée, je pourrais dire même enjolivée de sa parole et de sa présence. Que ce soit par l'éclat d'une parole ou bien aussi la force d'une musique. À tout un chacun, je souhaite que cela continue, que cela se déploie par les conférences et les participations, et surtout qu'on découvre plus chaque étape qui nous mène plus près du Seigneur.